Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans cette 50e et malheureusement dernière page de culture. Au cours de cette année, j'ai eu énormément de plaisir à créer ces pages de culture. J'espère que vous aurez ressenti le même plaisir à m'écouter et à apprendre des choses. Alors, pour cette 50e page de culture, j'ai désiré faire quelque chose de spécial. J'ai désiré lire intégralement un livre que j'aime énormément. Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. À Léon Werth. Je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne. Mais j'ai une excuse sérieuse. Cette grande personne est le meilleur ami que j'ai au monde. J'ai une autre excuse. Cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants. J'ai une troisième excuse. Cette grande personne habite la France, où elle a faim et froid. Elle a bien besoin d'être consolée. Si toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier ce livre à l'enfant qu'a été autrefois cette grande personne. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Je corrige donc ma dédicace à Léon Werth quand il était petit garçon. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait « Histoire vécue ». Ça a représenté un serpent boa qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre, « Les serpents boas avalent leur proie tout entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger, ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. » J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et, à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1, il était comme ça. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu, pourquoi un chapeau ferait-il peur? Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2, il était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents boa ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragé par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules. Et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier. J'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. C'est très utile si l'on est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1 que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive. Mais toujours elle me répondait, « C'est un chapeau !» Alors, je ne lui parlais ni de serpent boa, ni de forêt vierge, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais de bridge, de golf,
de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni passager, ni mécanicien, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sol, à 1000 miles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein ? Dessine-moi un mouton. » J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé, et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que plus tard j'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragé dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de 6 ans. Et je n'avais rien appris à dessiner, sauf les boas fermés et les boas ouverts. Je regardais donc cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à 1000 miles de toute région habitée. Or, mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à 1000 miles de toute région habitée. Quand je réussis enfin à parler, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et il me répéta alors, tout doucement, comme une chose très sérieuse, « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me sembla à 1000 miles de tous les endroits habités et en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire. Et je dis au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. Il me répondit « Ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. » Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je refis pour lui l'un des deux seuls dessins dont j'étais capable, celui du boa fermé. Et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre « Non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. Un boa, c'est très dangereux. Et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. » Alors j'ai dessiné. Il regarda attentivement. Puis « Non, celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre. » Je dessinais. Mon ami sourit gentiment avec indulgence. Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier, il a des cornes. Je refis donc encore mon dessin, mais il fut refusé comme les précédents. Celui-là est trop vieux, je veux un mouton qui vive longtemps. Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnais ce dessin-ci. Et je lançais « Ça,
C'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. C'est tout à fait comme cela que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton? Pourquoi? Parce que chez moi, c'est tout petit. Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. Il pencha la tête vers le dessin. Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis connaissance du petit prince. Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés au hasard qui peu à peu m'ont tout révélé. Ainsi, quand il aperçut pour la première fois mon avion, je ne dessinerai pas mon avion, c'est un dessin beaucoup trop compliqué pour moi, il me demanda « Mais qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? » « Ce n'est pas une chose, ça vole, c'est un avion, c'est mon avion. » J'étais fier de lui apprendre que je volais. Alors il s'écria « Comment ? Tu es tombé du ciel ?»« Oui, » fis-je modestement. « Ah ça c'est drôle !» Et le petit prince eut un très joli éclat de rire, qui m'irrita beaucoup. Je désire que l'on prenne mes malheurs au sérieux. Puis il ajouta « Alors, toi aussi tu viens du ciel. De quelle planète es-tu ? » J'entrevis aussitôt une lueur dans le mystère de sa présence et j'interrogeai brusquement « Tu viens donc d'une autre planète ?» Mais il ne me répondit pas. Il hochait la tête doucement tout en regardant mon avion. C'est vrai que là-dessus, tu ne peux pas venir de bien loin. Et il s'enfonça dans une rêverie qui dura longtemps. Puis, sortant mon mouton de sa poche, il se plongea dans la contemplation de son trésor. Vous imaginez combien j'avais pu être intrigué par cette demi-confidence sur les autres planètes. Je m'efforçais donc d'en savoir plus long. D'où viens-tu, mon petit bonhomme? Où est-ce chez toi? Où veux-tu emporter mon mouton? Il me répondit, après un silence méditatif, « Ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça lui servira de maison. » Bien sûr. Et si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher et un piquet. » La proposition parut choquer le petit prince. L'attacher ? Et quelle drôle d'idée ! Mais si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où, il se perdra. Et mon ami eut un nouvel éclat de rire. Où veux-tu qu'il aille ? Bah, n'importe où, droit devant lui. Alors le petit prince remarqua gravement, ça ne fait rien, c'est tellement petit chez moi. Et avec un peu de mélancolie, peut-être, il ajouta, droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin. J'avais ainsi appris une seconde chose très importante, c'est que sa planète d'origine était à peine plus grande qu'une maison. Ça ne pouvait pas m'étonner beaucoup, je savais bien qu'en dehors des grosses planètes comme la Terre, Jupiter, Mars, Vénus, auxquelles on a donné des noms, il y en a des centaines d'autres qui sont quelquefois si petites qu'on a du mal à les apercevoir au télescope. Quand un astronome découvre l'une d'elles, il lui donne pour nom un numéro. Il l'appelle par exemple l'astéroïde 325. J'ai de sérieuses raisons de croire que la planète d'où venait le petit prince est l'astéroïde B612. Cet astéroïde n'a été aperçu qu'une fois au télescope, en 1909, par un astronome turc. Il avait fait alors une grande démonstration de sa découverte à un congrès international d'astronomie. Mais personne ne l'avait cru à cause de son costume.
Les grandes personnes sont comme ça. Heureusement, pour la réputation de l'astéroïde B612, un dictateur turc imposa à son peuple, sous peine de mort, de s'habiller à l'européenne. L'astronome refit sa démonstration en 1920, dans un habit très élégant. Et cette fois-ci, tout le monde fut de son avis. Si je vous ai raconté ces détails sur l'astéroïde B612, et si je vous ai confié son numéro, c'est à cause des grandes personnes. Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez d'un nouvel ami, elles ne vous questionnent jamais sur l'essentiel. Elles ne vous disent jamais quel est le son de sa voix, quels sont les jeux qu'il préfère, est-ce qu'il collectionne les papillons. Elles vous demandent quel âge a-t-il, combien a-t-il de frères, combien pèse-t-il, combien gagne son père. Alors, seulement, elles croient le connaître. Si vous dites aux grandes personnes, j'ai vu une grande maison en briques roses avec des géraniums aux fenêtres et une colombe sur le toit. Elles ne parviennent pas à s'imaginer cette maison. Il faut leur dire, j'ai vu une maison de 100 000 francs. Alors elles s'écrient, oh, comme c'est joli. Ainsi, si vous leur dites, la preuve que le petit prince a existé, c'est qu'il était ravissant, qu'il riait et qu'il voulait un mouton. Quand on veut un mouton, c'est la preuve qu'on existe. Elles hausseront les épaules et vous traiteront d'enfant. Mais si vous leur dites, la planète d'où il venait est l'astéroïde B612, alors elles vous seront convaincues et elles vous laisseront tranquille avec leurs questions. Elles sont comme ça. Il ne faut pas leur en vouloir. Les enfants doivent être très indulgents envers les grandes personnes. Mais bien sûr, nous, qui comprenons la vie, nous nous moquons bien des numéros. J'aurais aimé commencer cette histoire à la façon des contes de fées. J'aurais aimé dire, il était une fois un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui et qui avait besoin d'un ami. Pour ceux qui comprennent la vie, ça aurait eu l'air beaucoup plus vrai. Car je n'aime pas qu'on lise mon livre à la légère. J'éprouve tant de chagrin à raconter ces souvenirs. Il y a 6 ans déjà que mon ami s'en est allé avec mon mouton. Si j'essaie ici de le décrire, c'est afin de ne pas l'oublier. C'est triste d'oublier un ami. Tout le monde n'a pas eu un ami. Et je puis devenir comme les grandes personnes qui ne s'intéressent plus qu'aux chiffres. C'est donc pour ça, encore, que j'ai acheté une boîte de couleurs et des crayons. C'est dur de se remettre au dessin à mon âge quand on n'a jamais fait d'autres tentatives que celle d'un boa fermé et celle d'un boa ouvert à l'âge de 6 ans. Oh, j'essaierai bien sûr de faire des portraits le plus ressemblant possible, mais je ne suis pas tout à fait certain de réussir. Un dessin va et l'autre ne ressemble plus. Je me trompe un peu aussi sur la taille. Ici, le petit prince est trop grand, là, il est trop petit. J'hésite aussi sur la couleur de son costume. Alors, je tâtonne comme ci et comme ça, tant bien que mal. Je me tromperai enfin sur certains détails plus importants, mais ça, il faudra me le pardonner. Mon ami ne donnait jamais d'explication. Il me croyait peut-être semblable à lui, mais moi, malheureusement, je ne sais pas voir les moutons à travers les caisses. Je suis peut-être un peu comme les grandes personnes. J'ai dû vieillir. Chaque jour, j'apprenais quelque chose sur la planète, sur le départ, sur le voyage. Ça venait tout doucement, au hasard des réflexions. C'est ainsi que, le 3e jour, je connus le drame des baobabs. Cette fois-ci encore, ce fut grâce aux moutons, car, brusquement, le petit prince m'interrogea, comme pris d'un doute grave. « C'est bien vrai, n'est-ce pas, que les moutons mangent les arbustes ?»« Oui, c'est vrai. »« Ah, je suis content !» Je ne compris pas pourquoi il était si important que les moutons mangeassent les arbustes. Mais le petit prince ajouta,
Par conséquent, ils mangent aussi les baobabs. Je fis remarquer au petit prince que les baobabs ne sont pas des arbustes, mais des arbres grands comme des églises, et que, si même il emportait avec lui tout un troupeau d'éléphants, ce troupeau ne viendrait pas à bout d'un seul baobab. L'idée du troupeau d'éléphants fit rire le petit prince. Il faudrait les mettre les uns sur les autres. Mais il remarqua avec sagesse, les baobabs, avant de grandir, ça commence par être petit. C'est exact. Mais pourquoi veux-tu que tes moutons mangent les petits baobabs ? Il me répondit, ben voyons, comme s'il s'agissait là d'une évidence. Et il me fallut un grand effort d'intelligence pour comprendre à moi seul ce problème. Et en effet, sur la planète du petit prince, il y avait, comme sur toutes les planètes, de bonnes herbes et de mauvaises herbes. Par conséquent, de bonnes graines de bonnes herbes et de mauvaises graines de mauvaises herbes. Mais les graines sont invisibles. Elles dorment dans le secret de la terre jusqu'à ce qu'ils prennent fantaisie à l'une d'elles de se réveiller. Alors, elle s'étire et pousse d'abord timidement vers le soleil une ravissante petite brindille inoffensive. S'il s'agit d'une brindille de radis ou de rosier, on peut la laisser. Mais s'il s'agit d'une mauvaise plante, il faut arracher la plante aussitôt, dès qu'on a su la reconnaître. Or, il y avait des graines terribles sur la planète du petit prince. C'étaient les graines de baobab. Le sol de la planète en était infesté. Or, un baobab, si l'on s'y prend trop tard, on ne peut jamais plus s'en débarrasser. Il encombre toute la planète, il la perfore de ses racines. Et si la planète est trop petite, et si les baobabs sont trop nombreux, ils la font éclater. C'est une question de discipline, me disait plus tard le petit prince. Quand on a terminé sa toilette du matin, il faut faire soigneusement la toilette de la planète. Il faut s'astreindre régulièrement à arracher les baobabs dès qu'on les distingue d'avec les rosiers auxquels ils ressemblent beaucoup quand ils sont très jeunes. C'est un travail très ennuyeux, mais très facile. Et un jour, il me conseilla de m'appliquer à réussir un beau dessin pour bien faire entrer ça dans la tête des enfants de chez moi. S'ils voyagent un jour, me disait-il, ça pourra leur servir. Il est quelquefois sans inconvénient de remettre à plus tard son travail. Mais s'il s'agit des baobabs, c'est toujours une catastrophe. J'ai connu une planète habitée par un paresseux. Il avait négligé 3 arbustes. Et sur les indications du petit prince, j'ai dessiné cette planète-là. Je n'aime guère prendre le ton d'un moraliste, mais le danger des baobabs est si peu connu, et les risques courus par celui qui s'égarait dans un astéroïde sont si considérables que pour une fois, je fais exception à ma réserve. Je dis, enfants, faites attention aux baobabs. C'est pour avertir mes amis d'un danger qu'ils frôlaient depuis longtemps, comme moi-même, sans le connaître, que j'ai tant travaillé ce dessin-là. La leçon que je donnais en valait la peine. Vous vous demanderez peut-être, pourquoi ? N'y a-t-il pas dans ce livre d'autres dessins aussi grandioses que le dessin des baobabs ? La réponse est bien simple. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu réussir. Quand j'ai dessiné les baobabs, j'ai été animé par le sentiment de l'urgence. Oh, petit prince, j'ai compris peu à peu, ainsi, ta petite vie mélancolique. Tu n'avais eu longtemps pour distraction que la douceur des couchers de soleil. J'ai appris ce détail nouveau le 4e jour, au matin, quand tu m'as dit « J'aime bien les couchers de soleil. Allons voir un coucher de soleil. » Mais il faut attendre. Attendre quoi ? Attendre que le soleil se couche. Tu as eu l'air très surpris d'abord, et puis tu as ri de toi-même et tu m'as dit « Je me crois toujours chez moi ». En effet, quand il est midi aux États-Unis, le soleil, tout le monde le sait, se couche sur la France. Il suffirait de pouvoir aller en France en une minute pour assister au coucher de soleil. Malheureusement, la France
est bien trop éloignée. Mais sur ta si petite planète, il te suffisait de tirer ta chaise de quelques pas et tu regardais le crépuscule chaque fois que tu le désirais. Un jour, j'ai vu le soleil se coucher 43 fois. Et un peu plus tard, tu rajoutais « Tu sais, quand on est tellement triste, on aime les couchers de soleil. » Le jour des 43 fois, tu étais donc tellement triste. Mais le petit prince ne répondit pas. Le cinquième jour, toujours grâce au mouton, ce secret de la vie du petit prince me fut révélé. Il me demanda avec brusquerie, sans préambule, comme le fruit d'un problème longtemps médité en silence. Un mouton, s'il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs. Un mouton mange tout ce qu'il rencontre, même les fleurs qui ont des épines. Oui, même les fleurs qui ont des épines. Alors les épines, à quoi servent-elles ? Je ne le savais pas, j'étais alors très occupé à essayer de dévisser un boulon trop serré de mon moteur. J'étais très soucieux, car ma panne commençait de m'apparaître comme très grave, et l'eau à boire qui s'épuisait me faisait craindre le pire. Les épines, à quoi servent-elles ? Le petit prince ne renonçait jamais à une question une fois qu'il l'avait posée. J'étais irrité par mon boulon et je répondis n'importe quoi. Les épines, ça ne sert à rien. C'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Oh ! Mais après un silence, il me lança avec une sorte de rancune. Je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles. Elles sont naïves. Elles se rassurent comme elles peuvent. Elles se croient terribles avec leurs épines. Je ne répondis rien. À cet instant-là, je me disais, si le boulon résiste encore, je le ferai sauter d'un coup de marteau. Le petit prince dérangea de nouveau mes réflexions. « Et tu crois, toi, que les fleurs... »« mais non, je ne crois rien, j'ai répondu n'importe quoi. Je m'occupe, moi, de choses sérieuses. » Il me regarda, stupéfait. « De choses sérieuses ?» Il me voyait, mon marteau à la main, les doigts noirs de cambouis, penchés sur un objet qui lui semblait très laid. Mais tu parles comme les grandes personnes. Ça me fit un peu honte. Mais impitoyable, il ajouta. Tu confonds tout, tu mélanges tout. Il était vraiment très irrité. Il secouait au vent ses cheveux tout dorés. Je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi. Il n'a jamais respiré une fleur. Il n'a jamais regardé une étoile. Il n'a jamais aimé personne. Il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et toute la journée, il répète comme toi, « Je suis un homme sérieux, je suis un homme sérieux. » Et ça le fait gonfler d'orgueil. Mais ce n'est pas un homme, c'est un champignon. Un quoi ? Un champignon ! Le petit prince était maintenant tout pâle de colère. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. Et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi elles se donnent tant de mal pour se fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien. Ce n'est pas important, la guerre des moutons et des fleurs. Ce n'est pas plus sérieux et plus important que les additions d'un gros monsieur rouge. Et si je connais, moi, une fleur unique au monde, qui n'existe nulle part, sauf dans ma planète, et qu'un petit mouton peut anéantir d'un seul coup, comme ça, un matin, sans se rendre compte de ce qu'il fait, ce n'est pas important, ça ? Il rougit, puis reprit. Si quelqu'un aime une fleur, qui n'existe qu'à un exemplaire dans les millions et millions d'étoiles. Ça suffit pour qu'il soit heureux. Quand il les regarde, il se dit « Ma fleur est là, quelque part. » Mais si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si brusquement toutes les étoiles s'éteignaient et ce n'est pas important, ça ? Il ne put rien dire de plus. Il éclata brusquement en sanglots. La nuit était tombée. J'avais lâché mes outils. Je me moquais bien de mon marteau, de mon boulon, de la soif et de la mort.
Il y avait sur une étoile, une planète, la mienne, la Terre, un petit prince à consoler. Je le pris dans mes bras, je le berçai, je lui disais « La fleur que tu aimes n'est pas en danger. Je lui dessinerai une muselière à ton mouton, je te dessinerai une armure pour ta fleur, je... Je ne savais pas trop quoi dire, je me sentais très maladroit. Je ne savais comment l'atteindre ou le rejoindre. C'est tellement mystérieux, le pays des larmes. J'appris bien vite à mieux connaître cette fleur. Il y avait toujours eu sur la planète du petit prince des fleurs très simples, ornées d'un seul rang de pétales et qui ne tenaient point de place et qui ne dérangeaient personne. Elles apparaissaient un matin dans l'herbe et puis elles s'éteignaient le soir. Mais celle-là avait germé un jour d'une graine apportée d'on ne sait où. Et le petit prince avait surveillé de très près cette brindille qui ne ressemblait pas aux autres brindilles. Ça pouvait être un nouveau genre de baobab. Mais l'arbuste cessa vite de croître et commença de préparer une fleur. Le petit prince, qui assistait à l'installation d'un bouton énorme, sentait bien qu'il en sortirait une apparition miraculeuse. Mais la fleur n'en finissait pas de se préparer à être belle à l'abri de sa chambre verte. Elle choisissait avec soin ses couleurs, elle s'habillait lentement, elle ajustait un à un ses pétales, elle ne voulait pas sortir toute fripée comme les coquelicots, elle ne voulait apparaître que dans le plein rayonnement de sa beauté. Et oui, elle était très coquette. Sa toilette mystérieuse avait donc duré des jours et des jours. Et puis voici qu'un matin, justement à l'heure du lever du soleil, elle s'était montrée. Et elle, qui avait travaillé avec tant de précision, dit en bâillant « Je me réveille à peine. Je vous demande pardon, je suis encore toute décoiffée. » Le petit prince alors ne put contenir son admiration. « Que vous êtes belle !»« N'est-ce pas ?» répondit doucement la fleur. Et je suis né en même temps que le soleil. Le petit prince devina bien qu'elle n'était pas trop modeste, mais elle était si émouvante. C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner, avait-elle bientôt ajouté. Auriez-vous la bonté de penser à moi? Et le petit prince, tout confus, ayant été chercher un arrosoir d'eau fraîche, avait servi la fleur. Ainsi, l'avait-elle bien vite tourmentée par sa vanité un peu ombrageuse? Un jour, par exemple, parlant de ses quatre épines, elle avait dit au petit prince « Ils peuvent venir, les tigres, avec leurs griffes !»« Il n'y a pas de tigres sur ma planète !» avait objecté le petit prince. « Et puis les tigres ne mangent pas d'herbe ?»« Je ne suis pas une herbe !» avait doucement répondu la fleur. « Pardonnez-moi !» Je ne crains rien des tigres, mais j'ai horreur des courants d'air. Vous n'auriez pas un paravent ? Horreur des courants d'air ? Ce n'est pas de chance pour une plante, avait remarqué le petit prince. Cette fleur est bien compliquée. Le soir, vous me mettrez sous globe. Il fait très froid chez vous. C'est mal installé. Là d'où je viens. Mais elle s'était interrompue. Elle était venue sous forme de graines. Elle n'avait rien pu connaître des autres mondes. Humiliée de s'être laissée surprendre à préparer un mensonge aussi naïf, elle avait toussé deux ou trois fois pour mettre le petit prince dans son tort. « Cependant, j'allais le chercher, mais vous me parliez. » Alors, elle avait forcé sa toux pour lui infliger quand même des remords. Ainsi, le petit prince, malgré la bonne volonté de son amour, avait vite douté d'elle. Il avait pris au sérieux des mots sans importance et était devenu très malheureux. « J'aurais dû ne pas l'écouter, » me confia-t-il un jour. « Il ne faut jamais écouter les fleurs. Il faut les regarder, les respirer. La mienne embaumait ma planète, mais je ne savais pas m'en réjouir. Cette histoire de griffes qui m'avait tellement agacé aurait dû m'attendrir.
Il me confia encore. Je n'ai alors rien su comprendre. J'aurais dû la juger sur les actes et non sur les mots. Elle m'embaumait, m'éclairait. Je n'aurais jamais dû m'enfuir. J'aurais dû deviner sa tendresse derrière ses pauvres ruses. Les fleurs sont si contradictoires. Mais j'étais trop jeune pour savoir l'aimer. Je crois qu'il profita, pour son évasion, d'une migration d'oiseaux sauvages. Au matin du départ, il mit sa planète bien en ordre. Il ramona soigneusement ses volcans en activité. Il possédait deux volcans en activité. Et c'était bien commode pour faire chauffer le petit déjeuner du matin. Il possédait un volcan éteint, mais comme il disait, on ne sait jamais. Il ramona donc également le volcan éteint. S'ils sont bien ramonés, les volcans brûlent doucement et régulièrement, sans éruption. Les éruptions volcaniques sont comme des feux de cheminée. Évidemment, sur notre Terre, nous sommes beaucoup trop petits pour ramoner nos volcans. C'est pourquoi ils nous causent des tas d'ennuis. Le petit prince arracha aussi, avec un peu de mélancolie, les dernières pousses de baobab. Il croyait ne jamais devoir revenir. Mais tous ses travaux familiers lui parurent ce matin-là extrêmement doux. Quand il arrosa une dernière fois la fleur et se prépara à la mettre à l'abri sous son globe, il se découvrit l'envie de pleurer. « Adieu, » dit-il à la fleur. Mais elle ne lui répondit pas. « Adieu !» répéta-t-il. La fleur toussa, mais ce n'était pas à cause de son rhume. « J'ai été sotte !» lui dit-elle enfin. « Je te demande pardon. Tâche d'être heureux. » Il fut surpris par l'absence de reproches. Il restait là, tout déconcerté, le globe en l'air. Il ne comprenait pas cette douceur calme. « Mais oui, je t'aime, » lui dit la fleur. « Tu n'en as rien su ? Par ma faute. » « Cela n'a aucune importance. Mais tu as été aussi sot que moi. Tâche d'être heureux. Laisse ce globe tranquille. Je n'en veux plus. Mais le vent, je ne suis pas si enrhumé que ça. L'air frais de la nuit me fera du bien. » Je suis une fleur. Mais les bêtes, il faut bien que je supporte deux ou trois chenilles. Si je veux connaître les papillons, il paraît que c'est tellement beau. Sinon, qui me rendra visite? Tu seras loin, toi. Quant aux grosses bêtes, je ne crains rien. J'ai mes griffes. Et elle montrait naïvement ses quatre épis. Puis elle ajouta, ne traîne pas comme ça, c'est agaçant. Tu as décidé de partir en 20 ans ? Car elle ne voulait pas qu'il la vît pleurer. C'était une fleur tellement orgueilleuse. Il se trouvait dans la région des astéroïdes 325, 326, 327, 328, 329 et 330. Il commença donc par les visiter pour y chercher une occupation et pour s'instruire. Le premier était habité par un roi. Le roi siégeait, habillé de pourpre et d'hermine, sur un trône très simple et cependant majestueux. « Ah, voilà un sujet !» s'écria le roi quand il aperçut le petit prince. Et le petit prince se demanda « Comment peut-il me reconnaître, puisqu'il ne m'a encore jamais vu ? » Il ne savait pas que pour les rois, le monde est très simplifié. Tous les hommes sont des sujets. « Approche-toi que je te vois mieux !» lui dit le roi, qui était tout fier d'être enfin roi pour quelqu'un. Le petit prince chercha des yeux où s'asseoir, mais la planète était tout encombrée par le magnifique manteau d'hermine. Il resta donc debout et, comme il était fatigué, il bâilla. « Il est contraire à l'étiquette de bâiller en présence d'un roi !» lui dit le monarque. « Je te l'interdis !»« Je ne peux pas m'en empêcher !» répondit le petit prince tout confus. « J'ai fait un long voyage et je n'ai pas dormi. » « Alors,
lui dit le roi. « Je t'ordonne de bâiller. Je n'ai vu personne bâiller depuis des années. Les bâillements sont pour moi des curiosités. Allons, bâille encore, c'est un ordre. » « Ça m'intimide, je ne peux plus ?» fit le petit prince tout rougissant. « répondit le roi. « Alors, je t'ordonne tantôt de bâiller et tantôt de... » Il bredouillait un peu et paraissait vexé, car le roi tenait essentiellement à ce que son autorité fût respectée. Il ne tolérait pas la désobéissance. C'était un monarque absolu, mais comme il était très bon, il donnait des ordres raisonnables. Si j'ordonnais, disait-il couramment, si j'ordonnais à un général de se changer en oiseau de mer, et si le général n'obéissait pas, serait-ce de la faute du général? Non, ce serait votre faute, répondit le petit prince. Puis-je m'asseoir ? S'enquit timidement le petit prince. « Je t'ordonne de t'asseoir, » lui répondit le roi, qui ramena majestueusement un pan de son manteau d'hermine. Mais le petit prince s'étonnait. La planète était minuscule. Sur quoi le roi pouvait-il bien régner ?« Sire, » lui dit-il, « je vous demande pardon de vous interroger. »« Je t'ordonne de m'interroger !» se hâta de dire le roi. « Sire, sur quoi régnez-vous ? » ?»« Sur tout !» répondit le roi avec une grande simplicité. « Surtout ?» Le roi, d'un geste discret, désigna sa planète, les autres planètes et les étoiles. « Sur tout ça ?» répondit le petit prince. « Sur tout ça ?» répondit le roi. Car non seulement c'était un monarque absolu, mais c'était aussi un monarque universel. « Et les étoiles vous obéissent ?»« Bien sûr !» lui dit le roi. « Elles obéissent aussitôt !» « Je ne tolère pas l'indiscipline !» Un tel pouvoir émerveilla le petit prince. S'il l'avait détenu lui-même, il aurait pu assister non pas à 44, mais à 72, ou même à 100, à 200 couchers de soleil dans la même journée, sans avoir jamais attiré sa chaise. Et comme il se sentait un peu triste, à cause du souvenir de sa petite planète abandonnée, il s'enhardit à solliciter une grâce du roi. « Je voudrais voir un coucher de soleil. Faites-moi plaisir. Ordonnez au soleil de se coucher. Si j'ordonnais à un général de voler d'une fleur à l'autre à la façon d'un papillon, ou d'écrire une tragédie, ou de se changer en oiseau de mer, et si le général n'exécutait pas l'ordre reçu, qui de lui ou de moi serait dans son tort ? Ce serait vous, dit fermement le petit prince. « Exact. Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner, » reprit le roi. « L'autorité repose d'abord sur la raison. Si tu ordonnes à ton peuple d'aller se jeter à la mer, il fera la révolution. J'ai le droit d'exiger l'obéissance parce que mes ordres sont raisonnables. » « Alors, mon coucher de soleil ?» rappela le petit prince qui jamais n'oubliez une question une fois qu'il l'avait posée. « Ton coucher de soleil, tu l'auras. Je l'exigerai, mais j'attendrai dans ma science du gouvernement que les conditions soient favorables. »« Quand ça sera-t-il ? » s'informa le petit prince. « lui répondit le roi, qui consulta d'abord un gros calendrier. « Ce sera ce soir vers 7h40, et tu verras comme je suis bien obéi. » Le petit prince bâilla, il regrettait son coucher de soleil manqué, et puis il s'ennuyait déjà un peu. « Je n'ai plus rien à faire ici, » dit-il au roi, « je vais repartir. »« Ne pars pas !» répondit le roi, qui était si fier d'avoir un sujet. « Ne pars pas, je te fais ministre !»« Ministre de quoi ?»« De la justice !»« Mais il n'y a personne à juger. »« On ne sait pas, » lui dit le roi. « Je n'ai pas fait encore le tour de mon royaume. Je suis très vieux. Je n'ai pas de place pour un carrosse. Ça me fatigue de marcher. »« Oh, mais j'ai déjà vu, » dit le petit prince qui se pencha pour jeter un coup d'œil de l'autre côté de la planète. « Il n'y a personne là-bas non plus. »« Tu te jugeras donc toi-même, » lui répondit le roi.
c'est le plus difficile. Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. Si tu réussis à bien te juger, c'est que tu es un véritable sage. Moi, dit le petit prince, je puis me juger moi-même n'importe où. Je n'ai pas besoin d'habiter ici. Dit le roi, je crois bien que sur ma planète, il y a quelque part un vieux rat. Tu le condamneras à mort de temps en temps. Ainsi, sa vie dépendra de ta justice. Mais tu le gracieras chaque fois pour l'économiser. Il n'y en a qu'un. Moi, répondit le petit prince, je n'aime pas condamner à mort. Et je crois bien que je m'en vais. Non, dit le roi. Mais le petit prince, ayant achevé ses préparatifs, ne voulut point peiner le vieux monarque. Si votre majesté désirait être obéie ponctuellement, elle pourrait m'ordonner, par exemple, de partir avant une minute. Il me semble que les conditions soient favorables. Le roi n'ayant rien répondu, le petit prince hésita d'abord, puis, avec un soupir, prit le départ. « Je te fais mon ambassadeur !» se hâta alors de crier le roi. Il avait un grand air d'autorité. « Les grandes personnes sont bien étranges !» se dit le petit prince en lui-même durant son voyage. La seconde planète était habitée par un vaniteux. « Ah ah ah, voilà la visite d'un admirateur !» s'écria de loin le vaniteux dès qu'il aperçut le petit prince. Car pour les vaniteux, les autres hommes sont des admirateurs. « Bonjour, dit le petit prince, vous avez un drôle de chapeau. C'est pour saluer, lui répondit le vaniteux. C'est pour saluer quand on m'acclame. Malheureusement, il ne passe jamais personne par ici. « Ah oui ?» dit le petit prince qui ne comprit pas. « Frappe tes mains l'une contre l'autre !» conseilla donc le vaniteux. Le petit prince frappa ses mains l'une contre l'autre. Le vaniteux salua modestement en soulevant son chapeau. « Alors ça, c'est plus amusant que la visite au roi !» se dit en lui-même le petit prince. Et il recommença de frapper ses mains l'une contre l'autre. Le vaniteux recommença de saluer en soulevant son chapeau. Après 5 minutes d'exercice, le petit prince se fatigua de la monotonie du jeu. « Et pour que le chapeau tombe ?» demanda-t-il. « Que faut-il faire ?» Mais le vaniteux ne l'entendit pas. Les vaniteux n'entendent jamais que les louanges. « Est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup ?» demanda-t-il au petit prince. « Qu'est-ce que signifie admirer ?»« Admirer signifie reconnaître que je suis l'homme le plus beau, le mieux habillé, le plus riche et le plus intelligent de la planète. » « Mais tu es seul sur ta planète. »« Fais-moi ce plaisir, admire-moi quand même. »« Je t'admire, » dit le petit prince en haussant un peu les épaules. « Mais en quoi cela peut-il bien t'intéresser ?» Et le petit prince s'enfuit. « Les grandes personnes sont décidément bien bizarres, » se dit-il simplement lui-même durant son voyage. La planète suivante était habitée par un buveur. Cette visite fut très courte, mais elle plongea le petit prince dans une grande mélancolie. « Que fais-tu là ? » dit-il au buveur qu'il trouva installé en silence devant une collection de bouteilles vides et une collection de bouteilles pleines. « Je bois !» répondit le buveur d'un air lugubre. « Pourquoi bois-tu ? » lui demanda le petit prince. « Pour oublier !» répondit le buveur. Pour oublier quoi ? Sentit le petit prince qui déjà le plaignait. Pour oublier que j'ai honte ! Avoua le buveur en baissant la tête. Honte de quoi ? S'informa le petit prince qui désirait le secourir. Honte de boire ! Acheva le buveur qui s'enferma définitivement dans le silence. Et le petit prince s'enfuit, perplexe. Les grandes personnes sont décidément très très bizarres, se disait-il en lui-même durant le voyage. La quatrième planète était celle du businessman,
Cet homme était si occupé qu'il ne leva même pas la tête à l'arrivée du petit prince. « Bonjour !» lui dit celui-ci. « Votre cigarette est éteinte. » « 3 et 2 font 5, 5 et 7, 12, 12 et 3, 15, bonjour, 15 et 7, 22, 22 et 6, 28, pas le temps de la rallumer, 26 et 5, 31, ouf, ça fait donc 501 622 731. »« 500 millions de quoi ? Hein ? Tu es toujours là ? »« 501 millions de... je ne sais plus, j'ai tellement de travail, je suis sérieux moi, je ne m'amuse pas des balivernes !» 2 et 5, 7... 501 millions de quoi ? Répéta le petit prince qui, jamais de sa vie, n'avait renoncé à une question une fois qu'il l'avait posée. Le businessman leva la tête. Depuis 54 ans que j'habite cette planète, je n'ai été dérangé que 3 fois. La première, ça a été il y a 22 ans par un hanneton qui était tombé, Dieu sait d'où. Il répondait un bruit épouvantable et j'ai fait 4 erreurs dans une addition. La seconde fois, ça a été il y a 11 ans, par une crise de rhumatisme. Je manque d'exercice. Je n'ai pas le temps de flâner. Je suis sérieux, moi. La troisième fois, la voici. Je disais donc, 501 millions... Millions de quoi ? Le businessman comprit qu'il n'était point d'espoir de paix. Millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. Des mouches ? Mais non, des petites choses qui brillent. Des abeilles. Mais non, des petites choses dorées qui font rêvasser les fainéants. Mais je suis sérieux, moi, je n'ai pas le temps de rêvasser. Ah, des étoiles. C'est bien ça, des étoiles. Et que fais-tu de 500 millions d'étoiles ? 501 622 731. Je suis sérieux, moi, je suis précis. Et que fais-tu de ces étoiles ? Ce que j'en fais ? Oui. Rien, je les possède. Oh, tu possèdes les étoiles ? Oui. Mais j'ai déjà vu un roi qui... Les rois ne possèdent pas, ils règnent sur. C'est très différent. Et à quoi cela sert-il de posséder les étoiles ? Ça me sert à être riche. Et à quoi cela te sert-il d'être riche ? À acheter d'autres étoiles si quelqu'un en trouve. Celui-là ? Se dit en lui-même le petit prince. Il résonne un peu comme mon ivrogne. Cependant, il posa encore des questions. Comment peut-on posséder les étoiles ? À qui sont-elles ? Riposta Grincheux le businessman. Je ne sais pas, à personne. Alors elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier. Ça suffit ? Bien sûr. Quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée le premier, tu l'as fait breveter. Elle est à toi. Et moi, je possède les étoiles, puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder. Ça, c'est vrai, dit le petit prince. Et qu'en fais-tu ? Je les gère, je les compte, je les recompte, dit le businessman. C'est difficile, mais je suis un homme sérieux. Le petit prince n'était pas satisfait encore. Moi, si je possède un foulard, je puis le mettre autour de mon cou et l'emporter. Moi, si je possède une fleur, je puis cueillir ma fleur et l'emporter. Mais tu ne peux pas cueillir les étoiles ? Non, mais je puis les placer en banque. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles et puis j'enferme à clé ce papier-là dans un tiroir. Et c'est tout ? Ça suffit. C'est amusant, pensa le petit prince. C'est assez poétique, mais ce n'est pas très sérieux. Le petit prince avait sur les choses sérieuses des idées très différentes des idées des grandes personnes. Moi, dit-il encore, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède 3 volcans que je ramène toutes les semaines, car je ramène aussi celui qui est éteint, on ne sait jamais. C'est utile à mes volcans et c'est utile à ma fleur que je les possède. Mais tu n'es pas utile aux étoiles. Le businessman ouvrit la bouche, mais ne trouva rien à répondre. Et le petit prince s'en fut. Les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires, se disait-il simplement en lui-même durant le voyage. La cinquième planète était très curieuse.
C'était la plus petite de toutes. Il y avait là juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbère. Le petit prince ne parvenait pas à s'expliquer à quoi pouvait servir quelque part dans le ciel sur une planète sans maison ni population un réverbère et un allumeur de réverbère. Cependant, il se dit en lui-même, peut-être bien que cet homme est absurde. Cependant, il est moins absurde que le roi, que le vaniteux, que le businessman et que le buveur. Au moins, son travail a-t-il un sens. Quand il allume son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une étoile de plus ou une fleur. Quand il éteint son réverbère, ça endort la fleur ou l'étoile. C'est une occupation très jolie. C'est véritablement utile puisque c'est joli. Lorsqu'il aborda la planète, il salua respectueusement l'allumeur. « Bonjour, pourquoi viens-tu d'éteindre ton réverbère ?»« C'est la consigne !» répondit l'allumeur. « Bonjour !»« Qu'est-ce que la consigne ?»« C'est d'éteindre mon réverbère !»« Bonsoir !» Et il le ralluma. « Mais pourquoi viens-tu de le rallumer ?»« C'est la consigne !» répondit l'allumeur. « Je ne comprends pas !» dit le petit prince. « Il n'y a rien à comprendre !» dit l'allumeur. « La consigne, c'est la consigne. Bonjour !» Et il éteignit son réverbère. Puis il se plongea le front avec un mouchoir à carreaux rouges. « Oh, je fais là un métier terrible !» C'était raisonnable. Autrefois, j'éteignais le matin et j'allumais le soir. J'avais le reste du jour pour me reposer et le reste de la nuit pour dormir. Et depuis cette époque, la consigne a changé ?« La consigne n'a pas changé !» dit l'allumeur. « C'est bien là le drame !» La planète d'année en année a tourné de plus en plus vite, et la consigne n'a pas changé. « Alors ?» dit le petit prince. « Alors maintenant qu'elle fait un tour par minute, je n'ai plus une seconde de repos, j'allume et j'éteins une fois par minute. »« Ça c'est drôle, les jours chez toi durent une minute. »« Mais ce n'est pas drôle du tout !» dit l'allumeur. « Ça fait déjà un mois que nous parlons ensemble. »« Un mois ?» Eh oui, 30 minutes, 30 jours, bonsoir !» Et il ralluma son réverbère. Le petit prince le regarda et il aima cet allumeur qui était tellement fidèle à la consigne. Il se souvint des couchers de soleil que lui-même allait autrefois chercher en tirant sa chaise. Il voulut aider son ami. « Tu sais, je connais un moyen de te reposer quand tu voudras. » « Je veux toujours, » dit l'allumeur. Car on peut être à la fois fidèle et paresseux. Le petit prince poursuivit. Ta planète est tellement petite que tu en fais le tour en trois enjambées. Tu n'as qu'à marcher assez lentement pour rester toujours au soleil. Quand tu voudras te reposer, tu marcheras et le jour durera aussi longtemps que tu voudras. Ça ne m'avance pas à grand-chose, dit l'allumeur. Ce que j'aime dans la vie, « c'est dormir !»« Ce n'est pas de chance, » dit le petit prince. « Ce n'est pas de chance !» dit l'allumeur. « Bonjour !» Et il éteignit son réverbère. « Celui-là, » se dit le petit prince, tandis qu'il poursuivait plus loin son voyage, « celui-là serait méprisé par tous les autres, par le roi, le vaniteux, par le buveur, par le businessman. Cependant, c'est le seul qui ne me paraisse pas ridicule. C'est peut-être parce qu'il s'occupe d'autre chose que de soi-même. » Il eut un soupir de regret et se dit encore, « Celui-là est le seul dont j'eusse pu faire mon ami. Mais sa planète est vraiment trop petite, il n'y a pas de place pour deux. » Ce que le petit prince n'osait pas s'avouer, c'est qu'il regrettait cette planète bénie à cause surtout des 1440 couchers de soleil par 24 heures. La sixième planète était une planète 10 fois plus vaste. Elle était habitée par un vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres. « Tiens, tiens, voilà un explorateur !» s'écria-t-il quand il aperçut le petit prince. Le petit prince s'assit sur la table et souffla un peu. Il avait déjà tant voyagé. « D'où viens-tu ? »
lui dit le vieux monsieur. Quel est ce gros livre ? Dit le petit prince. Que faites-vous ici ? Je suis géographe ! Dit le vieux monsieur. Qu'est-ce qu'un géographe ? C'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts. Ça, c'est bien intéressant, dit le petit prince. Ça, c'est enfin un véritable métier. Et il jeta un coup d'œil autour de lui sur la planète du géographe. Et il n'avait jamais vu encore une planète aussi majestueuse. Elle est bien belle, votre planète. Est-ce qu'il y a des océans ? Je ne puis pas le savoir, dit le géographe. Ah ! Le petit prince était déçu. Et des montagnes ? Je ne puis pas le savoir, dit le géographe. Et des villes, et des fleuves, et des déserts ? Je ne puis pas le savoir non plus, dit le géographe. Mais vous êtes géographe ? C'est exact, dit le géographe. Mais je ne suis pas explorateur. Je manque absolument d'explorateur. Ce n'est pas le géographe qui va faire le compte des villes, des fleuves, des montagnes, des mers, des océans et des déserts. Le géographe est trop important pour flâner. Il ne quitte pas son bureau. Mais il y reçoit les explorateurs. Il les interroge et il prend en note leurs souvenirs. Et si les souvenirs de l'un d'entre eux lui paraissent intéressants, le géographe fait faire une enquête sur la moralité de l'explorateur. Pourquoi ça ? Parce qu'un explorateur qui mentirait entraînerait des catastrophes dans les livres de géographie. Et aussi un explorateur qui boirait trop. Pourquoi ça ? Fit le petit prince. Parce que les ivres ont une voie double. Alors le géographe noterait deux montagnes là où il n'y en a qu'une seule. Je connais quelqu'un, dit le petit prince, qui serait mauvais explorateur. C'est possible. Donc quand la moralité de l'explorateur paraît bonne, on fait une enquête sur sa découverte. On va voir. Non, c'est trop compliqué. Mais on exige à l'explorateur qu'il fournisse des preuves. S'il s'agit par exemple de la découverte d'une grosse montagne, on exige qu'il en rapporte de grosses pierres. Le géographe, soudain, s'émut. Mais toi, tu viens de loin, tu es explorateur, tu vas me décrire ta planète. Et le géographe, ayant ouvert son registre, tailla son crayon. On a d'abord au crayon les récits des explorateurs. On attend pour noter à l'encre que l'explorateur ait fourni des preuves. Alors ? Interrogea le géographe. « Oh, chez moi, dit le petit prince, ce n'est pas très intéressant, c'est tout petit. J'ai trois volcans, deux volcans d'activité et un volcan éteint, mais on ne sait jamais. »« On ne sait jamais, dit le géographe. J'ai aussi une fleur. »« Nous ne notons pas les fleurs, dit le géographe. »« Pourquoi ça ? C'est le plus joli. »« Parce que les fleurs sont éphémères. »« Qu'est-ce que signifie « éphémère » ?» Les géographies, dit le géographe, sont les livres les plus sérieux de tous les livres. Elles ne se démodent jamais. Il est très rare qu'une montagne change de place. Il est très rare qu'un océan se vide de son eau. Nous écrivons des choses éternelles. Mais les volcans éteints peuvent se réveiller, interrompit le petit prince. Qu'est-ce que signifie éphémère ? Que le volcan soit éteint ou éveillé, ça revient au même pour nous. Dit le géographe. Ce qui compte pour nous, c'est la montagne. Elle ne change pas. Mais qu'est-ce que signifie éphémère ? Répéta le petit prince qui, de sa vie, n'avait renoncé à une question une fois qu'il l'avait posée. Ça signifie qu'il est menacé de disparition prochaine. Ma fleur est menacée de disparition prochaine ? Bien sûr. Ma fleur est éphémère, se dit le petit prince. Et elle n'a que 4 épines pour se défendre contre le monde. Et je l'ai laissée toute seule chez moi. Ce fut là son premier mouvement de regret. Mais il reprit courage. Que me conseillez-vous d'aller visiter ? Demanda-t-il. La planète Terre, lui répondit le géographe. Elle a une bonne réputation. Et le petit prince s'en fut, songeant à sa fleur. La 7e planète fut donc la Terre. La Terre n'est pas une planète quelconque. On y compte 111 rois, en n'oubliant pas bien sûr les rois nègres. 7000 géographes, 900 000 businessmen, 7,5 millions d'ivrognes, 311 millions de vaniteux, c'est-à-dire environ
2 milliards de grandes personnes. Pour vous donner une idée des dimensions de la Terre, je vous dirais qu'avant l'invention de l'électricité, on y devait entretenir sur l'ensemble des 6 continents une véritable armée de 462 511 allumeurs de réverbères. Vu d'un peu loin, ça faisait un effet splendide. Les mouvements de cette armée étaient réglés comme ceux d'un ballet d'opéra. D'abord, venait le tour des allumeurs de réverbères de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Puis, ceux-ci, ayant allumé leurs lampions, s'en allaient dormir. Alors, entraient à leur tour dans la danse des allumeurs de réverbères de Chine et de Sibérie. Puis, eux aussi s'escamotaient dans les coulisses. Alors venait le tour des allumeurs de réverbères de Russie et des Indes, puis de ceux d'Afrique et d'Europe, puis de ceux d'Amérique du Sud, puis de ceux d'Amérique du Nord. Et jamais ils ne se trompaient dans leur ordre d'entrée en scène. C'était grandiose. Seul, l'allumeur de l'unique réverbère du pôle Nord et son confrère de l'unique réverbère du pôle Sud menaient des vies d'oisiveté et de nonchalance. Ils travaillaient 2 fois par an. Quand on veut faire de l'esprit, il arrive que l'on mente un peu. Je n'ai pas été très honnête en vous parlant des allumeurs de réverbères. Je risque de donner une fausse idée de notre planète à ceux qui ne la connaissent pas. Les hommes occupent très peu de place sur la Terre. Si les 2 milliards d'habitants qui peuplent la Terre se tenaient debout et un peu serrés, comme pour un meeting, ils logeraient aisément sur une place publique de 20 000 de long sur 20 000 de large. On pourrait entasser l'humanité sur le moindre petit îlot du Pacifique. Les grandes personnes, bien sûr, ne vous croiront pas. Elles s'imaginent tenir beaucoup de place. Elles se voient importantes comme des baobabs. Vous leur conseillerez donc de faire le calcul. Elles adorent les chiffres. Ça leur plaira. Mais ne perdez pas votre temps à ce pensum. C'est inutile. Vous avez confiance en moi. Le petit prince, une fois sur Terre, fut donc bien surpris de ne voir personne. Il avait déjà peur de s'être trompé de planète. Quand un anneau couleur de lune remua dans le sable. « Bonne nuit !» fit le petit prince à tout hasard. « Bonne nuit !» fit le serpent. « Sur quelle planète suis-je tombé ?» demanda le petit prince. « Sur la Terre, en Afrique !» répondit le serpent. « Ah ! Il n'y a donc personne sur la Terre ? Ici, c'est le désert. Il n'y a personne dans les déserts. La Terre est grande !» dit le serpent. Le petit prince s'assit sur une pierre et leva les yeux vers le ciel. « Je me demande, » dit-il, « si les étoiles sont éclairées afin que chacun puisse un jour retrouver la sienne. Regarde ma planète. Elle est juste au-dessus de nous, mais comme elle est loin. »« Elle est belle, » dit le serpent. « Que viens-tu faire ici ?»« J'ai des difficultés avec une fleur, » dit le petit prince. « Ah !» fit le serpent. Et ils se turent. Où sont les hommes ? Reprit enfin le petit prince. On est un peu seul dans le désert. On est seul aussi chez les hommes, dit le serpent. Le petit prince le regarda longtemps. Tu es une drôle de bête, lui dit-il enfin. Mince comme un doigt. Mais je suis plus puissant que le doigt d'un roi, fit le serpent. Le petit prince eut un sourire. « Tu n'es pas bien puissant. Tu n'as même pas de pattes. Tu ne peux même pas voyager. »« Je puis t'emporter plus loin qu'un navire !» dit le serpent. Il s'enroula autour de la cheville du petit prince comme un bracelet d'or. « Celui que je touche, je le rends à la terre dont il est sorti, » dit-il encore. « Mais tu es pur et tu viens d'une étoile. » Le petit prince ne répondait rien. « Tu me fais pitié, toi, si faible sur cette terre de granit. Je puis t'aider un jour. Si tu regrettes trop ta planète, je puis... »« Oh, j'ai très bien compris, » fit le petit prince.
Mais pourquoi parles-tu toujours par énigme ? Je les résous toutes, dit le serpent, et ils se turent. Le petit prince traversa le désert et ne rencontra qu'une fleur. Une fleur à trois pétales, une fleur de rien du tout. « Bonjour, » dit le petit prince. « Bonjour, » dit la fleur. « Où sont les hommes ?» demanda poliment le petit prince. La fleur, un jour, avait vu passer une caravane. « Les hommes ? Il en existe, je crois, 6 ou 7. Je les ai aperçus il y a des années, mais on ne sait jamais où les trouver. Le vent les promène. Ils manquent de racines, ça les gêne beaucoup. » « Adieu, » fit le petit prince. « Adieu, » dit la fleur. Le petit prince fit l'ascension d'une haute montagne. Les seules montagnes qu'il eût jamais connues étaient les 3 volcans qui lui arrivaient aux genoux. Et il se servait du volcan éteint comme d'un tabouret. D'une montagne haute comme celle-ci, se dit-il donc, j'apercevrai d'un coup toute la planète et tous les hommes. Mais il n'aperçut rien que des aiguilles de roc bien aiguisées. « Bonjour !» dit-il au hasard. « Bonjour, bonjour, bonjour !» répondit l'écho. « Qui êtes-vous ? » dit le petit prince. « Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? » répondit l'écho. « Soyez mes amis, je suis seul !» dit-il. « Je suis seul, je suis seul, je suis seul !» répondit l'écho. « Quelle drôle de planète !» pensa-t-il alors. « Elle est toute sèche et toute pointue et toute salée, et les hommes manquent d'imagination. Ils répètent ce qu'on leur dit. Chez moi, j'avais une fleur. » Elle parlait toujours la première. Mais il arriva que le petit prince, ayant longtemps marché à travers les sables, les rocs et les neiges, découvrit enfin une route. Et les routes vont toutes chez les hommes. Bonjour, dit-il. C'était un jardin fleuri de roses. Bonjour, dirent les roses. Le petit prince les regarda. Elles ressemblaient toutes à sa fleur. Qui êtes-vous ? Leur demanda-t-il stupéfait. Nous sommes des roses, dirent les roses. Ah ! Fit le petit prince. Et il se sentit très malheureux. Sa fleur lui avait raconté qu'elle était seule de son espèce dans l'univers. Et voici qu'il en était 5 000, toutes semblables, dans un seul jardin. Elle serait bien vexée, se dit-il, si elle voyait ça. Elle tousserait énormément et ferait semblant de mourir pour échapper au ridicule. Et je serais bien obligé de faire semblant de la soigner, car sinon, pour m'humilier moi aussi, elle se laisserait vraiment mourir. Puis il se dit encore, « Je me croyais riche d'une fleur unique, et je ne possède qu'une rose ordinaire. Ça, et mes 3 volcans qui m'arrivent aux genoux, et dont l'un peut-être est éteint pour toujours, ça ne fait pas de moi un bien grand prince. » Et couché dans l'herbe, il pleura. C'est alors qu'apparut le renard. « Bonjour !» dit le renard. « Bonjour !» répondit poliment le petit prince, qui se retourna mais ne vit rien. « Je suis là !» dit la voix. « Sous le pommier !»« Qui es-tu ? » dit le petit prince. « Tu es bien joli !»« Je suis un renard !» dit le renard. « Viens jouer avec moi !» lui proposa le petit prince. « Je suis tellement triste. »« Je ne puis pas jouer avec toi, » dit le renard. « Je ne suis pas apprivoisé. »« Ah, pardon, » fit le petit prince. Mais après réflexion, il ajouta, « Qu'est-ce que signifie apprivoisé ?»« Tu n'es pas d'ici, » dit le renard. « Que cherches-tu ?»« Je cherche les hommes, » dit le petit prince. « Qu'est-ce que signifie apprivoisé ?»« Les hommes, » dit le renard. Ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules ? Non, dit le petit prince. Je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie...
créer des liens. » Créer des liens ? Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi, et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur, je crois qu'elle m'a apprivoisé. C'est possible, dit le renard. On voit sur terre toutes sortes de choses. Oh, ce n'est pas sur terre, dit le petit prince. Le renard parut très intrigué. Sur une autre planète ? Oui. Il y a des chasseurs sur cette planète-là ? Non. Oh, ça, c'est intéressant. Et des poules ? Non. Rien n'est parfait, soupira le renard. Mais le renard revint à son idée. Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent, toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis regarde. Tu vois là-bas les champs de blé ? Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors, ce sera merveilleux pour moi. Quand tu m'auras apprivoisé, le blé qui est doré me fera souvenir de toi. Et j'aimerai le bruit du vent dans le blé. Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince. « S'il te plaît, apprivoise-moi, » dit-il. « Je veux bien, » répondit le petit prince, « mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir, beaucoup de choses à connaître. » « On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, » dit le renard. « Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands, mais comme il n'existe point de marchand d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, » « Apprivoise-moi. »« Que faut-il faire ?» dit le petit prince. « Il faut être très patient, » répondit le renard. « Tu t'asseoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil, et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. » Le lendemain, revint le petit prince. « Il eût mieux valu revenir à la même heure, » dit le renard. « Si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. Qu'est-ce qu'un rite ? Dit le petit prince. C'est aussi quelque chose de trop oublié, dit le renard. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors le jeudi est jour merveilleux. Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous et je n'aurais point de vacances. Ainsi le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche, « Ah !» dit le renard, « je pleurerai. »« C'est ta faute, » dit le petit prince, « je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. »« Bien sûr, » dit le renard, « mais tu vas pleurer, » dit le petit prince. « Bien sûr, » dit le renard. « Alors, tu n'y gagnes rien. » J'y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du blé. Puis il ajouta, va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret. Le petit prince en fut revoir les roses.
Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose. Vous n'êtes rien encore, leur dit-il. Personne ne vous a apprivoisé, et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme été, mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à 100 000 autres. Mais j'en ai fait mon ami, et il est maintenant unique au monde. Et les roses étaient bien gênées. Vous êtes belle, mais vous êtes vide, leur dit-il encore. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble. Mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai mise sous globe, puisque c'est elle que j'ai abritée par le vent, par le paravent, puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, sauf les deux ou trois pour les papillons, puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre ou se vanter, ou même quelquefois se taire, puisque c'est ma rose. Et il revint vers le renard. Adieu, dit-il. Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince afin de se souvenir. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui rend ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, fit le petit prince afin de se souvenir. Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard, mais toi, tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu apprivoises. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose, répéta le petit prince afin de se souvenir. Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, dit l'aiguilleur. Que fais-tu ici, dit le petit prince. Oh, je trie les voyageurs par paquets de 1000, dit l'aiguilleur. Oh, j'expédie les trains qui les emportent tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche. Et un rapide illuminé, grondant comme le tonnerre, fit trembler la cabine d'aiguillage. Ils sont bien pressés, dit le petit prince. Que cherche-t-il? L'homme de la locomotive l'ignore lui-même, dit l'aiguilleur. Et grondant en sens inverse un second rapide illuminé. Ils reviennent déjà? Demanda le petit prince. Ce ne sont pas les mêmes, dit l'aiguilleur. C'est un échange. Ils n'étaient pas contents là où ils étaient? On n'est jamais content là où l'on est, dit l'aiguilleur. Et gronda le tonnerre d'un troisième rapide illuminé. Ils poursuivent les premiers voyageurs? Demanda le petit prince. Ah, ils ne poursuivent rien du tout, dit l'aiguilleur. Ils dorment là-dedans, ou bien ils bâillent. Les enfants seuls écrasent leur nez contre les vitres. Les enfants seuls savent ce qu'ils cherchent, fit le petit prince. Ils perdent du temps pour une poupée de chiffon, et elle devient très importante. Et si on la leur enlève, ils pleurent. Ils ont de la chance, dit l'aiguilleur. Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, dit le marchand. C'était un marchand de pilules perfectionnées qui apaisent la soif. On en avale une par semaine et l'on n'éprouve plus le besoin de boire. Pourquoi vends-tu ça? Dit le petit prince. C'est une grosse économie de temps, dit le marchand. Les experts ont fait des calculs. On épargne 53 minutes par semaine. Et que fait-on de ces 53 minutes? On en fait ce que l'on veut. Moi, se dit le petit prince. « Si j'avais 53 minutes à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine. » Nous en étions au 8e jour de ma panne dans le désert et j'avais écouté l'histoire du marchand en buvant la dernière goutte d'eau de ma provision. « Ah ! » dis-je au petit prince, « ils sont bien jolis, tes souvenirs. » Mais je n'ai pas encore réparé mon avion
Je n'ai plus rien à boire et je serais heureux, moi aussi, si je pouvais marcher tout doucement vers une fontaine. « Mon ami le renard !» me dit-il. « Mon petit bonhomme, il ne s'agit plus du renard. Pourquoi ?»« Parce qu'on va mourir de soif. » Il ne comprit pas mon raisonnement. Il me répondit « C'est bien d'avoir eu un ami, même si l'on va mourir. Moi, je suis bien content d'avoir eu un ami renard. » Il ne mesure pas le danger, me dis-je. Il n'a jamais ni faim ni soif. Un peu de soleil lui suffit. Mais il me regarda et répondit à ma pensée. « J'ai soif aussi. Cherchons un puits. » J'eus un geste de lassitude. Il est absurde de chercher un puits au hasard dans l'immensité du désert. Cependant, nous nous mîmes en marche. Quand nous eûmes marché des heures, en silence, la nuit tomba. Et les étoiles commencèrent de s'éclairer. Je les apercevais comme en rêve, ayant un peu de fièvre à cause de ma soif. Les mots du petit prince dansaient dans ma mémoire. « Tu as donc soif, toi aussi ?» lui demandai-je. Mais il ne répondit pas à ma question. Il me dit simplement « L'eau, l'eau peut être aussi bonne pour le cœur ?» Je ne compris pas sa réponse, mais je me tus. Je savais bien qu'il ne fallait pas l'interroger. Il était fatigué, il s'assit. Je m'assis auprès de lui, et après un silence, il dit encore « Les étoiles ?» Les étoiles sont belles à cause d'une fleur que l'on ne voit pas. Je répondis, bien sûr. Et je regardais sans parler les plis du sable sous la lune. Le désert est beau, ajouta-t-il. Et c'était vrai. J'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable, on ne voit rien, on n'entend rien. Et cependant, quelque chose rayonne en silence. Ce qui embellit le désert, dit le petit prince, c'est qu'il cache un puits quelque part. Je fus soudain surpris de comprendre ce mystérieux rayonnement du sable. Lorsque j'étais petit garçon, j'habitais une maison ancienne, et la légende racontait qu'un trésor y était enfoui. Bien sûr, personne jamais n'a su le découvrir, ni peut-être même de la chercher. Mais il enchantait toute la maison. Ma maison cachait un secret au fond de son cœur. Oui, dis-je au petit prince, qu'il s'agisse de la maison des étoiles ou du désert, ce qui fait leur beauté est invisible. Je suis content, dit-il, que tu sois d'accord avec mon renard. Comme le petit prince s'endormait, je le pris dans mes bras et me remis en route. J'étais ému. Il me semblait porter un trésor fragile. Il me semblait même qu'il n'y eût rien de plus fragile sur la terre. Je regardais à la lumière de la lune, ce front pâle, ses yeux clos, ses mèches de cheveux qui tremblaient au vent, et je me disais « Ce que je vois là n'est qu'une écorce. Le plus important est invisible. » Comme ses lèvres entrouvertes ébauchaient un demi-sourire, je me dis encore « Ce qui m'émeut si fort de ce petit prince endormi, c'est sa fidélité pour une fleur, c'est l'image d'une rose qui rayonne en lui comme la flamme d'une lampe, même quand il dort. Et je le devinais plus fragile encore. Il faut bien protéger les lampes, un coup de vent peut les éteindre. » Et marchant ainsi, je découvris le puits au lever du jour. « Les hommes, dit le petit prince, ils s'enfournent dans des rapides, mais ils ne savent plus ce qu'ils cherchent. Alors ils s'agitent et tournent en rond. » Et il ajouta, ce n'est pas la peine. Le puits que nous avions atteint ne ressemblait pas aux puits sahariens. Les puits sahariens sont de simples trous creusés dans le sable, mais celui-là ressemblait à un puits de village. Mais il n'y avait là aucun village, et je croyais rêver. C'est étrange, dis-je au petit prince.
Tout est prêt, la poulie, le seau, la corde. Il rit, toucha la corde, fit jouer la poulie. Et la poulie gémit comme gémit une vieille girouette quand le vent a longtemps dormi. « Tu entends ?» dit le petit prince. « Nous réveillons ce puits et il chante. » Je ne voulais pas qu'il fît un effort. « Laisse-moi faire, lui dis-je. C'est trop lourd pour toi. » Lentement, je hissai le seau jusqu'à la margelle. Je l'y installai bien d'aplomb. Dans mes oreilles durait le chant de la poulie, et dans l'eau qui tremblait encore, je voyais trembler le soleil. « J'ai soif de cette eau-là, » dit le petit prince. « Donne-moi à boire. » Et je compris ce qu'il avait cherché. Je soulevai le seau jusqu'à ses lèvres. Il but, les yeux fermés. C'était doux comme une fête. Cette eau était bien autre chose qu'un aliment. Elle était née de la marche sous les étoiles, du chant de la poulie, de l'effort de mes bras. Elle était bonne pour le cœur comme un cadeau. Lorsque j'étais petit garçon, la lumière de l'arbre de Noël, la musique de la messe de minuit, la douceur des sourires faisait ainsi tout le rayonnement du cadeau de Noël que je recevais. « Les hommes de chez toi, » dit le petit prince, « cultivent 5000 roses dans un même jardin et ils n'y trouvent pas ce qu'ils cherchent. » « Ils ne le trouvent pas, » répondis-je. « Et cependant, ce qu'ils cherchent pourrait être trouvé dans une seule rose ou un peu d'eau ?»« Bien sûr, » répondis-je. Et le petit prince ajouta, « Mais les yeux sont aveugles. » Il faut chercher avec le cœur. J'avais bu, je respirais bien. Le sable au lever du jour est couleur de miel. J'étais heureux aussi de cette couleur de miel. Pourquoi fallait-il que j'eusse de la peine ? Il faut que tu tiennes ta promesse, me dit doucement le petit prince qui, de nouveau, s'était assis auprès de moi. Quelle promesse ? Tu sais, une muselière pour mon mouton. Je suis responsable de cette fleur. Je sortis de ma poche mes ébauches de dessin. Le petit prince les aperçut et dit en riant, « Tes baobabs, ils ressemblent un peu à des choux. Oh, moi qui étais si fier des baobabs. Ton renard, ses oreilles, elles ressemblent un peu à des cornes, et elles sont trop longues. » Et il rit encore. « Tu es injuste, petit bonhomme. Je ne savais rien dessiner que des bois fermés et des bois ouverts. » « Oh, ça ira, » dit-il. « Les enfants savent. » Je crayonnais donc une muselière.